Pas de l'arsène, je suis juste à côté de l'ampli, je suis, vous l'avez vu, assez fort. Je suis pourtant au niveau du 4 en volume, je vais essayer de monter un peu. Alors j'ai baissé le tone, je suis à 2, ouais, à 2 au niveau du tone, c'est-à-dire plus grave que médium, parce que dès que je monte dans les aigus, je risque d'accrocher, je peux monter pour voir. Je vais déjà laisser le volume tel qu'il est et je vais monter le tone et je vais le mettre à 5. Donc là je suis beaucoup plus aigu. J'accroche un tout petit peu plus. En étant à côté de l'ampli, c'est vraiment assez fabuleux ce son, ce gros gros son. Donc cette fois-ci, je vais donc monter encore dans les aigus, je vais me mettre à 8. Je suis en 5 volts là, parce qu'il y a une option 5 volts, pardon, 5 watts. 5 watts ou 1 watt, je suis en 5 watts. Sur la pédale que j'utilise, vous allez sur mon blog, apprendre l'harmonica-leblog.com, et vous tapez dans la rubrique recherche matos. J'en ai parlé avec un ancien ampli que j'avais, enfin je l'ai toujours d'ailleurs, un petit Vox bleu d'ailleurs. Et puis bah, celui-ci n'est pas photo, hein. J'aime beaucoup le son du Vox, mais il a un son vraiment différent de celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus rond, en plus avec l'oscillation du micro. Je ferai peut-être un test avec le Vox et le micro d'ailleurs pour voir. Vraiment effectivement une chaleur, une rondeur dans le son qui est assez impressionnante. Je vais rebaisser le tone pour redescendre à 2 et monter en volume. Un peu chez midi, c'est-à-dire presque à 5, ouais, 5 en volume. Très très sympa aussi, hein. Et je monte encore en volume pour me mettre au 3. Je commence à accrocher, donc il faut que je rebaisse. On joue jamais si près d'un ampli, hein. Là je suis vraiment collé à l'ampli, hein. Le micro est vraiment à 50 cm. Et je ne l'arsène pas, mais je suis pourtant à 6 en puissance et en 5 watts au niveau de la puissance de l'ampli. Donc vraiment, je suis enchanté à la fois du micro et de la situation avec l'ampli. D'autant que je ne jouerai jamais aussi près, je vais m'éloigner. Hein. Je vais pouvoir monter le tone. Une attaque plus.
c'est vraiment le test dans les conditions extrêmes, parce que je suis collé à l'ampli. Hein. Vraiment, c'est un truc qu'on fait jamais, on joue jamais à côté d'un ampli. Aussi près que ça, en tout cas. Hein. Bien sûr, on est debout et on est éloigné par rapport à l'ampli, donc le Larsen n'est pas là. Donc c'est vraiment, vraiment très impressionnant. Je suis très, très... Je suis scotché, en fait, par le son de cet ampli, l'association du micro et de l'ampli des harmonica brodure, hein, forcément aussi. Rondeur du son, là aussi, ça fait partie du truc. Hein, entre l'harmoniciste, l'harmonica, le micro et l'ampli, il y a un son global qui sort. Est assez flagrante. Ça fonctionne d'enfer. À tout bientôt. Bye bye.